Ce dont je parle, c'est absolument tout. C'est jamais véhiculé. C'est impossible, en fait, de le véhiculer. Donc, ça n'a rien à voir avec les mots. Et pourtant, les mots, c'est ça aussi. Ce dont je parle, c'est absolument tout. Et c'est pas un tout qui se cache. C'est juste la vie, en fait. Mais sans qu'elle appartienne à quelqu'un. Sans qu'il y ait quelque chose qui dise ça doit être comme ça. Et même dire que ça doit être comme ça, c'est ça également. Donc c'est vraiment tout, sans exception en fait. Il n'y a pas de changement qui arrive ou qui doit arriver. C'est le son de ma voix, c'est l'apparence de la personne. Chaque corps est unique. Et donc il y a. C'est à la fois ce qui est unique chez quelqu'un, et pourtant il n'y a personne derrière ses yeux-là. Il n'y a personne dans la tête ou derrière la tête. Donc c'est juste complètement impossible à véhiculer parce qu'il ne s'agit pas de nier du tout l'apparence des choses. Ce qui est. Ce qui est, c'est tout. Et que c'est impossible à capturer et à dire tiens, voilà, c'est ça, je l'ai trouvé, je vais le dire aux autres. Ou je vais l'apprendre aux autres, l'enseigner. Donc c'est pas un enseignement et c'est pas un truc je suis pas en train de vous dire qu'il y a un truc à apprendre. C'est juste tout, déjà. Et ça se cache même pas. C'est l'irréel, réel. Et il n'y a personne qui le sait, en fait, ça. Donc c'est ça, c'est tout. Et c'est pas important. C'est vraiment pas important. La personne pense que c'est quelque chose d'important, mais c'est pas important. Qu'il y ait quelqu'un ou non, c'est pas important. Qu'il y ait une réalité à ce qui se passe ou pas, c'est pas important. C'est la grosse blague. Donc c'est complètement impossible à véhiculer de quelconque manière que ce soit. Donc c'est pas être uni avec tout, ça n'a rien à voir avec ça. C'est tout. Tout ce qui est en apparence. Ou pas en apparence, on sait pas, on s'en fout. L'absence de savoir, l'absence de connaissance, et ça exclut pas pourtant l'apparence de la connaissance. Mais ce dont je parle, c'est pas une connaissance, c'est pas un truc tout court. Je parle de rien. Mais c'est l'unique réalité en fait, la seule réalité qu'il y a. Et la réalité qu'il y a, c'est tout. C'est toute énergie. Absolument tout. Cette communication, c'est énergétique également. Forcément, c'est même pas forcément, la question se pose pas, c'est que ça en fait. Que d'énergie. Et c'est pas l'énergie de quelqu'un, l'énergie à trouver. C'est juste, il y a quelque chose d'énergétique qui se passe, apparemment, là, dans ce qui est dit. Parce qu'il n'y a personne, là, derrière ses yeux, derrière cette voix. Il n'y a pas de réalité, il n'y a pas de contrôleur, il n'y a pas de. Il n'y a rien. Mais ce n'est pas un rien, c'est un rien, c'est un rien plein, en fait, on pourrait dire. Mais encore une fois, c'est que des mots, c'est toujours impossible à véhiculer. Mais c'est aussi impossible que ce soit pas ça. Donc peu importe ce qui est véhiculé, la façon dont c'est véhiculé, c'est ça également. Là, tout, ça se cache pas. C'est pas trouvable. Et ça n'a jamais été perdu.
Et c'est pas un savoir, c'est pas un truc, c'est rien, mais c'est tout. Ça se tient pas, ça se perd pas. C'est pas une expérience, c'est pas un. Ça inclut les pleurs, ça inclut. Mais il y a plus ce. C'est l'absence, on pourrait dire, de blablabla mental, en fait, qui commente tout. C'est pas qu'il n'y ait pas de commentaire du tout, c'est que. Il n'y a plus vraiment le jugement, j'ai envie de dire. Mais ça inclut le jugement également. Donc, encore une fois, ce qui est véhiculé, c'est ça n'a rien à voir. Ce qui se passe là, c'est qu'il y a, il y a, il y a tout et c'est rien à la fois. Et c'est ça qui est véhiculé. Autant que ce soit possible avec des mots. Mais les mots n'ont rien à voir avec ça. Il n'y a personne là. Et donc, il peut être vu par personne de l'autre côté de l'écran qu'il n'y a personne également et que toi, c'est moi, et moi, c'est toi, et moi, c'est tout, toi, c'est tout. C'est pas un toi personnel qui existe et qui. Non, c'est tout. Donc il n'y a pas de toi dans le sens personnel. Donc ce qui se passe là, c'est pas personnel. Ça n'a rien à voir avec vous, en tant que personne. Le personnage apparent, c'est que une partie infime, éphémère, qui part et qui vient, qui part et qui vient, qui n'est jamais vraiment remarquée en fait, de ce qui est. Mais ce dont je parle, c'est l'unique réalité. L'unique réalité. Qui est tout et rien à la fois. Simultanément. C'est pas un truc qui est acquis. C'est pas un truc qui est perdu. C'est pas un truc. N'y a pas de mots. C'est juste ce qui est. Et c'est tout ce qu'il y a. C'est pas important. C'est important pour personne. Puisque c'est déjà tout ce que c'est. Aucune logique peut permettre de comprendre ça. Que c'est vraiment incompréhensible. C'est l'arrêt de la compréhension. Du besoin de compréhension de ce qui se passe. L'arrêt de se demander même si quelque chose se passe ou non. Et c'est pas un truc qu'on peut faire. Arrêter ça. Ça s'arrête. Et c'est déjà pas là. Cette recherche, cette souffrance personnelle, elle est déjà pas là.